ce mec est débile. Si vous le connaissez pas, lui c'est comme. Et je peux vous assurer que c'est probablement le mec le plus bête que je connaisse. En tant que meilleur ami, il a décidé de me faire une blague et donner une potion d'amour au youtubeur Razen. Quelle idée nulle à ch... En faisant ça, Razen est tombé fou amoureux de moi et a vraiment envie de se marier et avoir des enfants. Bon, la fin j'ai inventé, mais c'est pour pimenter la vidéo. Oh, Deka, mon bébou, réveille-toi! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mon amoureux, comment t'es magnifique aujourd'hui! Ouais. Tiens, j'ai acheté des roses au fleuriste pour toi! Quoi, mais qu'est-ce que. Wesh, mais Razen, réveille-toi, gros! Hey, on est censé être potes, pourquoi tu me fais des compliments? Hey, on est censé s'insulter de base! Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ouais, mais je sais pas ce qui me prend en fait cette nuit. Déjà, j'ai fait un rêve de toi où on était tous les deux en couple. Wow. Et là, ce matin, je me suis réveillé. Enfin, rassure-moi, on est dans le monde réel et je sais pas. Je suis amoureux de toi, je crois, Deka, en vrai. Mais mec, mais attends, on est censé être potes. Ah, viens faire un bisou là. Non, non, viens, non, viens. Écarte-toi. Pourquoi tu veux pas? Mais mec, mais on est potes. Et en plus, il me semble que t'as une copine. Ah non, c'est moi qui ai une copine, t'es célibataire. Bref, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Il est 7h du matin. Mais je voulais te déclarer ma flamme en fait. Quoi? Mais les abonnés, c'est trop bizarre. Reste là 2 petites secondes s'il te plaît. T'aurais pas vu le code non, par non, hasard? Non, je peux pas vivre sans toi Deka en fait. Je suis obligé, obligé de te suivre là. Tu sais que j'ai une zone personnelle de sécurité à respecter. Tu es censé oui, être oui, mais si tu veux, je respecte, mais je dois être absolument à côté de toi en fait. J'ai envie de t'embrasser là. Non, 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 Covid, il y a la distance et tout. Non, c'est fini le Covid. Viens me faire un bisou, Deka. Tu parlais de Deka? Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Mais qu'est-ce que. C'est quoi ce. Ah, comment il est moche. Ah là là, ouais, il est pas beau. Ça, c'est ouais, qu'est-ce qu'il lui prend à lui là? Oh, mais je sais pas, pourquoi il est fou amoureux de moi ce matin? Bah, je sais pas moi, bah parce que t'es peut-être beau sinon. Oui, il était beau gosse, Deka, faut dire la vérité en vrai. Il est magnifique, hein, sans vouloir te dire. Rouge là, j'ai envie de l'aimer. Attends, calme-toi. Qu'est-ce que. Hey. Non, mais déjà, allons, attends, pourquoi on s'est sorti là? Bah, je sais pas, il est en train de me coller, moi j'essaye de m'échapper un peu. Bah, attends, mais même petite distance de sécurité, après, bon, si. Eh, j'ai envie de. Ah, y'a un coup Bené là, Deka. Oh là. Ah ouais, sacré délire. Razen, regarde, hier à peine je t'ai envoyé un message pour t'insulter sur cette génération. Pourquoi actuellement tu es en train de me déclarer ta flamme? Remets-toi vos questions, d'accord? Mais parce que j'adore quand tu m'insultes, Deka. Non, je rigole en vrai. Poule, mais non, mais toi, c'est toi que je veux en fait, avec ton petit costard et tout. J'ai envie de te retirer ta cravate mais, là. Il y a un truc qui va pas. Déjà, c'est de la zoophilie. Tu es un animal. Je suis un humain, ça ne peut pas aller tous les deux. Mais je suis un animal humain. Cut, cut. Ouais, c'est pas totalement faux. Alors, toi, on sait pas trop ce que t'as fumé avant le tournage. Ah, mais lui, par contre, c'est un big flop. Hein. Toi, par contre, Deka, quand tu fais des blagues, t'es tout le temps marrant en fait. C'est vraiment abusé. Bon, ok. Je te propose un truc, Razen. Il y a un truc très simple. Si tu veux, on peut s'organiser un date, toi et moi. Ce soir, on se rejoint au restaurant. Let's go! D'accord. Oh là là, je suis le poulet le plus heureux du monde! Oh, je vais aller préparer! Oh là là! Ah bah non, c'est vrai, je dois rester à côté de toi. Non, je peux pas aller préparer. Mais si tu veux. Mais si tu veux, on peut aller dans ma chambre et je me prépare à côté de toi, en vrai. Ouais, bah si les gens qui regardent cette vidéo s'abonnent, peut-être que ça arrivera en fin de vidéo, donc faites-le. Ok, alors abonnez-vous, hein. Ouais, abonnez-vous, mais va te préparer, va chez toi, prépare-toi, bien tranquille. Non, t'es obligé de venir avec moi, Deka, je t'ai dit, t'es mon oxygène, t'es ma raison de vivre. Wow. Il faut que tu sois à côté de moi, Deka. Écoute, Razen, j'ai absolument besoin de me préparer aussi. Regarde, sans mes aisselles, je pue, ça fait une semaine, je me suis... Ah, l'oignon. Discord, si tu veux... Si tu veux, je suis dans ta chambre et j'attends derrière la porte, ok? Non, va te préparer dans ta chambre, on se retrouve ce soir. Non mais arrête, je vais pleurer là. Va dans le poulailler, allez, dépêche-toi là. Non. Ok, hey, comme, viens avec moi, comme, viens bien. Mec, qu'est-ce qui se passe? Il y a un magicien qui l'a enchanté, c'est quoi le bordel? Moi je sais pas, hein, vraiment, peut-être comme ça, hein, peut-être qu'il a fait son coming out. On est meilleurs amis, je sais quand tu mens, qu'est-ce que tu as fait? Rien fait. Mytho. Non, ça se sent à ta voix, même les abonnés peuvent le dire en commentaire. T'es un énorme mytho, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je peux te le dire? Oui, dis-le. Tu m'en veux pas, hein? Bah si, je vais t'en vouloir, mais balance. Alors, non, attends, avant ça, attends, je t'explique. Il se peut que je lui ai un petit peu shooté à quelque chose avant qu'il s'endorme. Non, me dis pas que tu as donné une potion d'amour, me dis pas ça. Bon, je fais quand mes valises du coup? Bah mec, franchement, je suis chaud que tu les fasses maintenant, hein, ou alors... Allez, à plus. Défoncer. Vas-y, viens là. Non, arrête. Ok, je saute, t'approche pas. Vas-y, saute. Ah, t'es malade. Attends, non, j'ai une meilleure idée.
Bon, il va je m'en fous. Il va falloir que je trouve un moyen de me débarrasser de Razen. En attendant, vu qu'on s'invite au restaurant ce soir et qu'on est dans Minecraft, il n'y a pas de serveur. On est trois sur le serveur, la preuve. Bon, bref, tu vas aller faire le serveur dans le restaurant. Tu vois les petits chapiteaux qu'il y a là? Juste en face. Ok, à droite du chapiteau, il y a un restaurant. Je veux que tu sois le serveur ce soir. Ok. Allez, vas-y, dégage. Ok. Oh là là, j'ai tout de suite. Ok, je me prépare. Non, non. Eh, va faire la cuisine, fais ton travail. Mince. Allez, 3, 2, 1. Ok. Bon, la team, c'est n'importe quoi. Mon frère, meilleur ami Com, a décidé que Razen tombe amoureux de moi dans cette vidéo. Le problème, ben, c'est que Razen, il a dit des trucs un peu bizarres tout à l'heure. Il veut dormir avec moi, prendre des douches et tout. Moi, ça m'arrange pas. Et je vous avoue, si vous restez à la fin de la vidéo, il va se passer des grosses dingueries. En attendant, il va falloir que je me prépare pour essayer de dégoûter Razen un maximum, la team. Vraiment, là, je peux pas. Je peux pas être avec Razen. C'est l'un de mes meilleurs potes. C'est pas possible. Vous savez quoi? Je vais mettre ma meilleure tenue de footballeur bien transpirante et je vais aller au date comme ça. Ça va être dégueu. Je me change et on se retrouve ce soir pour le date avec Razen. Ça y est les amis, je suis enfin prêt. Regardez, j'ai mis ma pire tenue de footballeur. Je sens un petit peu comme Mbappé. Waouh, il y en a qui vont m'insulter en commentaire, je sens. Alors bon, je sais pas si Razen est là pour le date, mais je vais faire un maximum de trucs pour le dégoûter ce soir. Lui raconter des choses dégueu sur moi et tout. J'ai vu des Les gars, mon amour, oh là là. T'es où? Je crois qu'il est arrivé. Attendez, je vais descendre. Les gars, viens là, mon amour. Mais ça vous fait pas bizarre que Razen soit tombé amoureux de moi comme ça? Je sais même pas si c'est un proc ou pas, mais j'en ai vraiment pas l'impression. Alors attendez, je vais essayer de regarder un peu par la fenêtre. Non, y a rien. Oh là là, la team, je suis pas prêt. Oh là, je vais retirer la fleur qu'il m'a donnée tout à l'heure. Ok. Je suis prêt. Oh là, ça a l'air. Mais attends, mais pourquoi t'es habillé en joueur de foot? C'est parce que je m'entraînais, tu sais, je suis un sportif, moi. Je suis un très très gros sportif. Ah bah ça tombe bien, moi j'aime bien la sueur et tout là, j'ai envie de lécher des essais. Non, regarde. Mais regarde. Deka, t'aimes bien mon nouveau flow là? C'est exprès pour le titre là, j'ai mis mon petit costume et tout là, tu me trouves comment? Ouais, regarde. Alors no job, t'es super classe hein, t'es ultra classe, mais je m'attendais pas à ça pour moi en fait. Normalement on sort en plugin. Ah si, j'adore. Je suis impatient. Et regarde ce que j'ai pris, regarde, tu sais ce que c'est ça? C'est quoi cette chose? Eh bah c'est une injection, c'est pour piquer ton cœur. Comme ça t'es à moi. Je vais te piquer en fait, je vais te piquer. Non, ça ira. Je vais te piquer des cas. Accepte des cas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais je sais pas, tu deviens totalement fou. On devrait peut-être aller au resto. Mais... hein, je suis fou amoureux de toi, Deka. Oui, j'ai cru comprendre. Bon, allez, viens, on va au resto parce que là, tu me fais un petit peu peur. Allez, c'est parti, là, je vais te dévorer tout cru. Waouh, mec, c'est super sensuel ce que t'es en train de me dire là. C'est... jamais. Oui, t'aimes bien? Non, pas de ouf. Okay. C'est moi qui ai conduit ou c'est toi? Bah, si tu veux, moi, je peux conduire, j'ai mon permis. Ouais, bah, vas-y, conduis. Je sais même pas si c'est où est le restaurant, mais c'est pas allez, grave. C'est parti. Oh là, tu me guides, tu me guides vers ton cœur. C'est à droite, le resto. Oh, la team, je suis pas prêt. Vas-y, allez, tu continues tout droit. La team, je sais pas si vous savez, mais c'est très loin. Ouais, vas-y, dis toujours. Et ton maillot, il est floqué 10. Ça veut dire que t'es le numéro 10 dans mon cœur. Ah, numéro 10? Seulement numéro 10? Bah, ça, je le prends un peu mal, quand même. Non, mais numéro 1, mais numéro 10, t'as capté, c'est le meilleur numéro de l'équipe de foot. Enfin, bref, ouais, voilà. Non, en attendant, on est arrivé, donc tu peux te garer, mais il faut la team de peur. Attends, je fais une marche arrière, hop. Vas-y, là, du coup, je vais me garer. Fais une marche arrière. Est-ce que vous savez pourquoi c'est le numéro 10 d'ailleurs sur mon maillot? Il y a une histoire à ça. Les amis, on va faire un petit jeu. Ce numéro 10, il ne veut pas rien dire. Recherchez sur Google Traduction la signification de Deka en grec. Et vous allez vite comprendre pourquoi il y a le numéro 10 sur mon maillot. Bref, allez, le restaurant est juste là. Ah, mais j'ai compris, Deka, tu parles de grec parce que t'es un dieu grec, tellement t'es beau. Waouh, mec, tu me compares à un dieu grec carrément, là c'est grave. Ouais, par contre, en vrai, j'ai vu beaucoup de statues et ce qui est en bas, c'est tout petit. Hein. J'espère non, que c'est non, pas le cas. Non, ça c'est pas totalement vrai, par contre, parce que moi je suis pas vraiment un descendant des Grecs. Moi, tu vois, j'ai vraiment bien la charge. Ce qui... On va peut-être changer de sujet, non? T'es bien chargé, hein? Ouais, je suis bien chargé. T'es quoi, fou, bébé là? Wow. Hey, vas-y. Hola, Paqueta, l'amigo, como te llama? Oh, mais comment il est moche comparé à toi? Ouais, oh, That's not good for me. Oh, bref, que voulez-vous? Pour deux personnes, en amoureux. Burger with my girlfriend, yes. My boyfriend. Ouais, my boyfriend. On est ni amoureux et je suis ni ta girlfriend ni ton boyfriend en fait. Ok, bah attendez, je vais vous placer. Hop. Voilà, regardez, hop, voilà. Allez, c'est pour vous. Ouais, non, mais moi, je fais.
fais une réclamation là, monsieur le serveur. Oui. J'aimerais manger en tête à tête avec mon homme. Oui, pas de problème. Bah, vous mettez-vous là et monsieur se met là-bas. Ça, c'est une très très bonne idée. Non, mais en tête à tête à 15 mètres. Tête à tête, attendez. Ok, attendez. Je dois sortir deux tables. Hop. Et voilà. Est-ce que vous pourriez nous faire des spaghettis à manger comme ça? On va faire comme dans les films là. Oui, c'est moi qui ai choisi ce que tu veux. À la fin, on va s'embrasser avec des cas. Je suis pas totalement sûr. Que voulez-vous, monsieur? Ouais, moi je vais partir sur une pizza. Hein, on va faire ça, n'importe laquelle. Pizza et vous pizza. Moi je voudrais un Big Burger. Ok. Et boisson? Bah moi un Coca chérie, ouais, hein, comme mon homme. Petit Coca, on est dans Minecraft, c'est des enfants qui regardent, pas d'alcool. Hein. Bon, ok. Petit Coco. Je vais essayer de me renseigner un peu pourquoi il est... Ouais, je voudrais votre caradule là, s'il vous plaît. Waouh. Bon, Razon, j'ai quand même quelques questions à te poser. Qu'est-ce que tu faisais hier? Bah hier, je crois que j'étais avec une fille. Non, t'es tout seul? Bah ouais. Et pourquoi tu l'as pas draguée, elle? C'était qui? Je sais pas, j'ai plus de souvenirs, je t'avoue, c'était flou. Attends. Mais je crois qu'on m'a drogué en fait, Deka. Ah ouais, tu penses qu'on t'est drogué? Et genre que tu pourrais tomber amoureux de moi en étant drogué? Ah non, ça jamais de la vie. Oh, bon, dommage. Et pourquoi on t'aurait drogué? Ça j'en sais rien, mais voilà, c'est très très bizarre, j'ai plus aucun souvenir de la veille, donc Oh là là, bizarre. Ça m'avance pas du tout. Bon, la team, moi j'ai une idée, je pense qu'on va manger tranquillement, j'espère qu'il m'entend pas, et une fois qu'on aura fini de manger, je vais tout simplement fuir et aller super loin. Attends, tu dis quoi là? Non, rien, je trouvais que t'étais vraiment beau, ta casquette reflète. Buongiorno, les pizzas arrivent. J'aime bien qu'on va rapprocher comme ça tous les deux, là. Attends, attendez. Monsieur, asseyez-vous, c'est pas... Un petit bisou? Non, désolé, monsieur, désolé. Attendez, je suis là. Bon, allez, monsieur, la petite pizza avec le petit coco. Et j'ai pas commandé une pizza, c'était moi, j'ai commandé un Big Burger. Et si, voilà, c'était là. Yes, hop, merci. Et du coup, attendez. Prends non, tout simplement. Par contre, monsieur, vous m'avez ramené un coca normal, c'est un coca chéri, moi, que je voulais. Allez, mange tes morts. Oh, ok, mais c'est quoi ce serveur là? Il est bizarre ce serveur. Ok, non mais ça va pas le faire du tout en fait. Ouais, là. Il est bizarre. Bon, vas-y, je commence à m'énerver en fait là. Allez, vite, miam miam miam. C'était vraiment délicieux. Pizza là, mon amoureux. Ouais, tu m'attends, je vais aller payer. C'était vraiment bon, hein. Si tu veux, je peux payer à ta place. Non, attends là, j'ai gagné super bien là, ces derniers mois. Ah mais tu sais, moi j'ai gagné au loto aussi en vrai, hein, Deka. Ah ouais, bah garde ton argent, t'en auras besoin pour payer la nuit d'hôtel qui va suivre dans cette vidéo, ok? On va aller à l'hôtel à deux. Ouais, vas-y, moi je vais payer le resto, tu payes l'hôtel. Bien. Ok, bon, la team, je vais pas du tout payer. Ce que je vais faire, c'est que je vais fuir par la fenêtre et m'en aller super loin pour pas que Razen ne me retrouve. Ce qui va faire que, tout simplement, le vendeur, il va essayer d'embrouiller Razen et ça va venir. Ok, je vais m'en aller. Vite, go, il est où? Oh, mais tu vas où là? Ok, c'est parti, la team. Je m'en vais, il faut que j'aille prendre la voiture. Ah, tu vas où là? Ok, let's go, elle est juste là. Ok, c'est parti, on s'en va, la team. On s'en va. Ah, ma voiture! Ah, bah c'est pas la mienne, mais non, c'est moi qui conduisais. Okay, dégage, il a volé notre voiture. Déclatez-vous. Je m'en vais. Et il a l'impression que je suis parti, c'est nickel. Ok, il va falloir que je me cache dans ce biome du coup. Parfait, alors ici il va y avoir pas mal de cachettes et je vais attendre que Razen redevienne normal. Ok, où c'est que je pourrais aller me cacher? Tenez, on va aller se cacher tout simplement dans le village du biome de la neige, donc l'ancien Lestia. J'espère que Razen ne pourra pas me retrouver ici. Et si vraiment il me retrouve, ça veut dire qu'il est vraiment amoureux de moi et qu'il est déterminé à me retrouver. Ok, bon, la team, on arrive tout simplement au village. Regardez, il y a l'entrée de la grotte et c'est un village qui est derrière une grotte. C'est parfait et c'est vraiment un village qui est abandonné, donc plus personne ne connaît ce village. Donc s'il me retrouve là, je ne comprends pas comment il fait. C'est vraiment grave. Alors où c'est que je vais pouvoir trouver une petite cachette? Je pense que ça va pas être trop dur. Il y a pas mal de bâtiments ici. Voilà, regardez, il y a même le château derrière. Quel bâtiment on va choisir? On va aller là-dedans parce que je vous avoue, ces bâtiments, c'est des vrais labyrinthes. Donc pour que Razen me retrouve là-dedans, ça va être très compliqué pour lui. Alors non, ici il n'y a pas de porte, alors on va aller ailleurs. Ce bâtiment là m'a l'air vraiment parfait. Plus qu'à trouver l'entrée qui n'est visiblement pas là. Il me semble qu'elle est derrière et je vais me cacher peut-être sur la terrasse. Et s'il faut que je reste plusieurs jours, alors je resterai plusieurs jours. Nickel, regardez, l'entrée est là, c'est parfait. On laisse aucune trace de notre passage, on ferme les portes. Et là, il y a un escalier, c'est parfait. Et on va se cacher juste ici, nickel.
La team, je fais une coupure à la vidéo et on se retrouve très prochainement quand je pense que je serai enfin en sécurité. Allez, à bientôt. Jour 4, ça fait 4 jours que je suis là, je me suis totalement installé, la team, regardez, j'ai mis mon petit campement et il n'y a toujours pas eu de nouvelles de Razen. Je crois que j'ai réussi à... Oh, mon amour, t'es où? Non, comment c'est possible? Oh, qu'est-ce que... Mais c'est toi, viens me faire un câlin, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? L'autre jour, quand je devais payer... Attends, je vais te rejoindre. Waouh, ok, laisse-moi te raconter. L'autre jour, quand je devais payer, le vendeur, il s'est énervé, il a commencé à m'attaquer, j'ai dû fuir pour pas qu'il me retrouve et tout. C'est pour ça que je suis là. T'as fui le vendeur, mais regarde, je te cherchais partout, je suis même du coup, avec ma tenue d'ours polaire, t'aimes bien en vrai? T'es dégueulasse, pourquoi? Non, t'es je suis dégueulasse. Non, t'es très beau, pourquoi tu C'est vrai, c'est l'heure du bisou là, du coup, non? Non, c'est pas l'heure du bisou du tout, viens faire un bisou, en fait, je suis le Yeti, je suis Inostag le Yeti. Ah ouais, on en est à ce point, genre, t'es vraiment atteint là dans ton... Non, mais on n'est pas en haut de l'Everest. On n'est pas en haut de l'Everest, gros. Là, on est sur le mont Lestia, genre vraiment rien à voir. C'est 2000 mètres. Et t'as pas froid avec ton short de l'équipe de France? Je veux rentrer, j'en ai marre. Mais si tu veux, je te donne ma veste, moi. Oui, non, je veux pas. Tu veux te donner ma veste? Je te la mets si tu veux. Tu me la mets? Non, je veux pas. Tu vas sentir mon parfum comme ça. Je veux vraiment pas, mais je veux rentrer à la maison, je vois un peu plus. Et Deka, viens me galoche en fait là. Je m'en vais. Viens là. Il est temps de partir. Je deviens complètement fou. Razen t'a gagné. On rentre et on va dormir. Ah ouais, c'est vrai, tu veux dormir avec moi? Oui, j'ai plus le choix de toute façon. Oh, let's go! C'est pas du tout par là à la maison. Notre nuit tous les deux. Ah, ok, bah vas-y, je te suis. Bah, normalement, c'est à toi de me ramener chez moi pour faire un peu romantique, mais c'est pas grave. C'est vrai. Bah non, mais je vais te ramener chez moi même. Ah, ouais, bah vas-y, ok, on va chez toi. Comme ça, je vais te séquestrer. Tu sortiras pas de chez moi. On n'en est pas obligé d'arriver à là, tu sais. T'en fais pas. Eh, par contre, on a pas... Mais t'enfermer dans ma cave, tu vas voir. Ouah, gros, c'est tellement bizarre. Non, mais là, j'ai des pulsions, là. J'ai des pulsions d'amour pour toi, en fait, je sais que de base, t'es vraiment cringe, mais alors là, t'as dépassé un level. Je suis pas cringe, pourquoi tu dis ça? Non, j'ai jamais rien dit. T'as entendu un truc? Ouais. Waouh. Ah non, mais là je pète un câble là, carrément. Ouais, c'est pas ici chez nous, Razen. C'est Vas-y, je te suis. Ouais, il va falloir qu'on aille dans cette grotte. En parlant de chez nous, tu veux pas emménager avec moi carrément, Deka? Tu sais, ça fait même... Il y a de la place chez moi, hein, si tu veux. Ouah, mec, on a toujours pas officialisé, hein, c'est peut-être un peu tôt quand même. C'est quoi le prochain projet, avoir des enfants? On s'aime tous les deux, non? Du coup, on peut officialiser maintenant notre couple, même si ça fait que 24 heures qu'on se connaît. Ça fait plus de 24 heures qu'on se connaît. Mais attends, ton prochain projet, c'est quoi? Ça fait moins de 24 heures qu'on s'aime. Ouais, à fond. Et tu veux avoir des enfants aussi? C'est ça le bail, Razen? Je suis pas sûr qu'on pourra en avoir là pour le coup, un truc, tu vois quoi, t'as capté quoi. Mec, ça reste quand même bizarre parce que je te rappelle que Rodrigue, donc ton fils, et ma fille Océane sont quand même en couple, donc ça serait un petit peu chelou que toi et moi on se mette ensemble, non? Un peu consanguin tout ça. Après moi je viens du Nord, hein, mais c'est un peu bizarre. Ouais, voilà, d'ailleurs, toi t'es sûrement pour le PSG, non? Non, moi je suis pour le LOSC, pour Lille. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, et moi je regarde pas le foot. J'ai essayé de trouver un conflit PSG-OM, mais apparemment y a pas. Bon, ok, on arrive bientôt. Non. J'ai vraiment peur, la team. Bon, ok, on fait une petite ellipse et on se retrouve quand on est devant la Via Drazen. De toute façon, il me semble que là, je n'ai plus trop le choix. Bon, ça y est, les amis, on est arrivé, on est à la villa. Allez, viens dans ma chambre, là, Deka, là. T'entends ce que je vais te faire, là? Waouh, y a des enfants ici, y a des enfants. Ok, ta chambre, elle est où déjà? C'est moi qui ai construit ce bien. Viens, on va direct dans ma chambre. Ah ouais, t'as pas le temps, toi. Vas-y, let's go. Tu me permets de prendre une petite douche avant? Toute petite. Par contre, il y a pas de porte dans ma douche. Attends, regarde vers là-bas. Regarde, il y a pas de porte. Regarde. Il y a pas de porte. Il y a pas de porte dans ma salle de bain. Non, mais en fait, j'ai pas besoin. Je la prendrai demain matin. Tu sais, je préfère faire la douche le matin. Mais tu pues un peu. Après, je t'ai dit que j'aimais bien la transpiration, mais quand même. Waouh, d'une, c'est bizarre. Et de deux, tu m'expliques pourquoi ta chambre est cassée? Attends, mais j'étais pas au courant en fait. Pourquoi t'as l'air de mentir là dans ton ton de la voix?
Bon, déjà, il faut que je t'avoue un truc. J'ai fait exprès de détruire partiellement ma maison. Parce que j'ai envie de vivre chez toi, en fait, Deka, j'en peux plus d'être... On est... T'as vu la distance qui nous sépare? Regarde par la fenêtre, en fait. Il y a au moins 20 mètres. C'est trop. Mètres, quoi. C'est vraiment énorme. Il y a 20 mètres entre ta maison et la mienne, c'est énorme. Je peux pas vivre comme ça, en fait. T'es ma vie, t'es mon oxygène, Deka, je peux pas vivre sans toi. Bon, déjà, première question. Est-ce que le fait qu'il y ait ma chambre juste en face fait que tu m'as observé toutes les nuits? Ah, c'est ta chambre, là-bas? Ouais, c'est vraiment ma chambre à côté, là. Ah, mais c'est pour ça que je voyais souvent des filles, là, se balader dans la chambre. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça qu'il fallait pas me draguer, parce que j'ai déjà des filles qui viennent de temps. Oui, mais moi, je m'en fous, moi, je suis l'élu numéro 1, en fait, d'accord? Tu vas virer toutes les filles de ta ville. Non, je vais m'énerver, t'as compris? Regarde, là, regarde-moi bien. Ouais. T'as compris? Non, il y a plus de filles dans ta vie, c'est fini. C'est fini. Plus de n'importe quoi. Ouais, il y a un purée. Il y a plus de sorties, plus de boîtes de nuit, il y a plus rien. Tu vas vivre avec moi, je vais t'enfermer dans la cave. Ouais. Et deuxième question. Tu crois vraiment qu'avoir fait sauter la villa que moi je t'ai construit, c'est une bonne idée? Bah tu vas réparer, t'es riche, non? J'avais pas que ça à faire, mais bon, ok. Bon, allez, on va chez moi, et je crois que je vais être obligé d'aller dormir avec Razan. T'es sûr d'en vouloir arriver, là, hein? Oh, bah ça tombe bien, moi aussi, je suis fatigué. Bah regarde, je fais de la peine, non? J'ai plus de lit pour dormir, donc je suis obligé de venir dormir chez toi, ouais. Ouais, de toute façon, là, y a pas trop le choix. Mais après, y a beaucoup de chambres chez moi. J'en ai une vingtaine, peut-être. Mais ça m'intéresse pas, en vrai. Moi, je préfère ton lit. Il fait froid, t'as besoin de coller... Mais il faisait froid aussi, hein, en haut de l'Everest tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. Hein. on arrive chez moi, je crois qu'il n'y a plus trop d'autres échappatoires. Les amis, ce qui est cool, c'est que Razan est fatigué, donc il n'a pas d'autre idée derrière la tête un peu farfelue. Il va directement s'endormir, et moi, ça va me permettre de réfléchir à une idée pour qu'il arrête d'être amoureux de moi. Là, ce n'est plus possible du tout. Bon, tu te souviens où est ma chambre? Ah bah oui, je connais le chemin par cœur maintenant, maintenant je me doute bien. Allez, c'est parti, on est dans ma chambre. Allez, tu peux aller te coucher, par contre c'est moi du côté droit du lit, hein. Ça me dérange pas, je peux même dormir par terre, quoi. Ah bah non, pas par terre, du coup, je vais dormir avec toi, moi. Un canapé, hein. Ah ouais, ton lit, il est plutôt petit, hein, ça me plaît bien, hein. Waouh, c'est bizarre tout ça, bon allez. Coller serré, si tu vois ce que je veux dire. Waouh, bah tu sais quoi, commence à t'endormir, je vais juste me brosser les dents et j'arrive, ok? C'est pour sentir bon de la bouche. Je peux venir me brosser avec les dents aussi, si tu veux. Mais tu t'es déjà brossé les dents, non? Bah oui, on va partager notre brosse à dents. Et en plus, t'es un poulet, tu n'as pas de dents. Ah oui, pas trop. Commence à t'endormir, ok. La team, du coup, ce que je vais faire là, j'espère qu'il va s'endormir et je vais réfléchir à une idée. Waouh, il s'est endormi super vite. Attendez, je réfléchis un petit peu. Mais tout à l'heure, comme il m'a dit qu'il a donné une potion d'amour à Razan. Idée probablement très très débile, mais si j'y repense bien, le seul qui est capable de faire des potions dans cette ville, c'est Rick. Vous savez, Rick Sanchez, le scientifique un peu fou. C'est probablement lui qui a fait la potion. Pourquoi j'irais pas voir Rick pour faire une contre-potion d'amour? Et j'ai même peut-être une autre idée, restez jusqu'à la fin pour comprendre ce que c'est. Ok, alors attendez. Let's go, je crois il dort. La team, ouais, il est clairement en train de dormir, alors je vais me rapprocher. Ouais, il dort clairement. Très bien. Il va continuer son petit sommeil et je vais aller chercher une petite potion en espérant que Rick est bel et bien réveillé. Alors c'est parti, je vais aller chercher ma moto. La team, je vais faire tout simplement une potion de désamour pour que Razan arrête d'être amoureux de moi et une potion d'amour pour que Razan tombe amoureux de Com. Alors là, ça pourrait être la vengeance incroyable. Ok, vraiment, on va faire ça, la team. Et j'espère que cette vidéo vous plaît. Et en attendant, j'aimerais vous parler d'un autre petit concept sur la route. En ce moment, j'aimerais faire de nouvelles vidéos. Vous avez vu que mes vidéos ont un peu changé dans le style de la miniature, du montage. Et tout simplement, j'aimerais que vous participiez un peu plus. Alors mettez-moi en commentaire un mot, n'importe lequel. Et je ferai en fonction que ce mot soit la prochaine vidéo. Par exemple, vous mettez, je sais pas, musique peut-être. Musique en commentaire. Et ma prochaine vidéo aura un rapport roleplay avec la musique dans Minecraft. Vous avez compris le concept? À vous les pinceaux, c'est à vous de décider quelle sera la prochaine vidéo. En attendant, on est arrivé chez monsieur Rick Sanchez. Ah, salut. C'est qui? Salut. Dis-moi, salut. Premièrement, t'es bourré. cette question est peut-être trop. Ouais, Rick. Ouais. Qui est ton dernier client? Modric. Rodrigue Non, Modric. Quoi?
C'est un joueur de foot, il est venu faire commande, tu veux savoir quoi? Je veux dire un dernier visiteur qui me ressemblait un peu, genre mon frère voilà, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Potion d'amour. Oh là là, bon ouais. C'est lui, ok, parfait, Rick, est-ce que j'aimerais avoir une petite vengeance, j'ai beaucoup d'argent. Ouais. Pas besoin d'augmenter le son de ta voix, tu sais. Pardon. On est la vodka, elle m'a défoncé, wesh. Waouh, la vodka t'a défoncé, je veux pas savoir, Rick, t'es pas l'alcoolisme, c'est pas mes problèmes. Je veux que tu me fasses une potion de désamour pour que Razan arrête d'être amoureux de moi, et une potion d'amour pour que Razan tombe amoureux de Com, mon frère. J'ai un cheveu, tiens, voilà le cheveu de Com. Merci. Je vais aller là. Attends. Ok, alors la team, je n'ai pas du tout d'argent. Je dois la mettre là dans le trou. Vas-y, let's go. Ou attendez, une petite fleur. Tiens, la fleur. Je vais lui offrir ça. Tu veux une fleur? Non, pas de fleur, t'inquiète. T'as les potions? Elles sont prêtes? Bah oui, bah attends. Attends, prend du temps, hein. Pourquoi il y a des bouteilles d'alcool confisquées? Attends, je vais péter. Rick, t'es vraiment un crasseux. T'es pire que Razan. Attends, j'ai la potion. Vas-y, alors, fais voir les deux potions. Potion okay, d'amour une. Et potion de désamour. Let's go, potion d'amour spécial com et potion de désamour. Ok, pour te payer, j'ai une super idée, j'ai pas d'argent, mais j'ai du cognac. Ça c'est une version que j'avais pas, hein. Merci, attends, allez, je la pose là. Voilà, allez, bonne soirée, Eric, c'est vraiment génial. Merci. Il sait pas que la bouteille lui appartenait, que je l'ai pas du tout acheté, c'est génial, il est un peu bête, donc c'est cool. Allez, on rentre la team, j'espère que Com va vite être à la maison, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, on espère qu'il est là, et que Razan va vite se réveiller, parce que là, j'ai une petite potion à lui donner. Ah, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir, mais je sens que ça va être plutôt drôle. Bon, on va appeler Com déjà pour qu'il vienne dans ma chambre, et le reste de la vidéo risque d'être vraiment très marrant. Hop là, c'est parti, on est arrivé la team. Alors il va falloir que je réveille un petit peu Razan. Razan, mon amour, j'ai c'est une mon potion. Amour, t'es où? Je suis réveillé. Je suis allé au restaurant, on avait oublié de prendre le reste de coca. Mais tu m'as quitté! Mais non, je t'ai pas quitté! J'étais dans le lit avec toi, t'es parti sans rien me dire, sans dire un mot! Oh là là, je suis là, regarde, je suis dans la chambre, où es-tu? Oh, fais-moi un bisou là! Tiens, viens là! Bon, est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, Razan, ça c'est le reste de coca de tout à l'heure, alors, tiens, potion de désamour. Une boisson, le coca, tu m'as ramené du coca! Attendez, je vais le voir! Ok. Let's go. Alors, il est vers les vêtements. Et c'est quoi ce costard là? Pourquoi j'ai ça sur moi? C'est ignoble. Qu'est-ce que tu fais chez moi, gros? Mais purée, Deka, t'as pas changé, t'es toujours moche toi, hein? Yes, merci, c'est vraiment cool. C'est qui ce beau gosse là? Alors attends, t'as toujours pas donné l'autre potion, Razan. Pourquoi tu es en train de le draguer? Il est en train de me draguer. Waouh, la team, alors ça c'était pas attendu ça. C'est pas ce que tu crois, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Juste au cas où, tiens, bois ça. C'est le reste de coca de tout à l'heure. Waouh, ok, la team, il était déjà en train de draguer Com, c'est un peu bizarre. Oh, viens là! C'est réussi, Razan a enfin dragué Com, même sans boire la potion, il était déjà amoureux. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Com et Razan d'avoir participé. Le retour de Com et Deka et du troisième, on sait pas trop ce qu'il foutait là. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, vous savez ce qu'il faut faire. C'était Deka, bisous à tous. Les femmes.